du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas un temps de service qu'accomplit l'homme sur terre? Un temps de service. Un temps pour servir le monde. Pour venir sur terre pour servir le monde. Ni mène-t-il pas la vie d'un mercenaire? Ok. Nous venons sauter après un temps de service. Est-ce que son vie de mercenaire n'a pas mené? Mercenaire n'a pas un bon bagaille, non? Péjoratif. So, we are here to serve people. We are on earth to serve people. Tel l'esclave soupirant après l'ombre, ou l'ouvrier tendu vers son salaire, j'ai en partage des mois d'illusion, à mon compte des nuits de souffrance. Tel l'esclave soupirant après l'ombre. Comparaison avec l'esclave, comparaison avec l'ouvrier qui attend son salaire, eh bien, moi, j'ai en partage des mois d'illusion à mon compte des nuits de souffrance. Des nuits de souffrance. La personne est en train de souffrir. So, la souffrance, on dirait qu'on peut avoir un compte de souffrance. Un compte de souffrance. On peut avoir un compte de souffrance comme on a un compte en banque. J'en ai partagé des mois d'illusion. Ainsi, l'esclave soupire après son ombre, après l'ombre. C'est comme un espoir. L'ouvrier, son salaire, c'est comme un espoir. Mais moi, je partage des mois d'illusion, même si j'ai des nuits de souffrance. So the slave has a hope. The worker, the person who is working, who has a simple salary, has a hope. And also, people who are suffering now need hope. Étendu sur ma couche, je me dis, à quand le jour? Sitôt levé, quand serai-je au soir? Personne qui est tourmentée. Il n'y a pas qu'à reposer ni la nuit ni la journée. Étendu sur ma couche, je me dis, à quand le jour? Sitôt levé, quand serai-je au soir? Bouleversé. Bouleversé, bouleversé. Imaginez maintenant, nous sommes confinés et à la maison. So, vous comptez le jour, vous comptez les nuits. C'est vraiment, ça peut devenir une anxiété. Et des pensées folles m'obsèdent jusqu'au crépuscule. Je ne peux pas dormir. Des pensées folles, ce ne sont pas des bonnes pensées, des pensées qui s'égarent, m'obsèdent jusqu'au crépuscule. Une personne tourmentée, qui ne voit pas l'avenir,
qui perd l'espoir, sont des pensées envahissantes. Ok? Quand on est égaré, les mauvaises pensées peuvent venir. No, I understand that the person is at home, okay, in his bed, and he's wondering when the day is happening. When it will be night, like it is counting day and night. And bad thought is coming as obsession at night time or in late in the afternoon or crepuscule. It looks like now. We can have so many bad thoughts during that coronavirus time. Vermine écoute, terreuse, couvre ma chair, ma peau jeurse et suppure. Mes jours ont couru plus vite que la navette et disparu sans espoir. Ça nous rappelle Job dans l'évangile. C'est l'histoire de Job, ça. La personne a des maladies de la peau. Et il a vu que ses jours courent très vite comme la navette. Et des jours sans espoir. Disparus sans espoir. So, la maladie de la peau, ça peut représenter n'importe quelle maladie. Pour nous, quand nous sommes le coronavirus, nous donne toutes sortes de manifestations. Ok? Nous souffrons de notre corps. Et nous voyons que les jours passent comme ça sans espoir. Yeah. With coronavirus, we are suffering in our body, physical body. And days come and go without hope. We don't know what the future looks like. It's scary. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, que mes yeux ne reverront plus le bonheur. Désormais, je serai invisible à ton regard, tes yeux seront sur moi et j'aurai disparu. Yes, ça ressemble à Job qui parle à son Dieu. Souviens-toi que ma vie n'est que souffle. On est sur terre de passage, la vie n'est que souffle. Que mes yeux ne verront plus le bonheur. Ça c'est trop dit. Mes yeux ne reverront plus le bonheur. Le bonheur, est-ce qu'on peut l'espérer? Comment on va avoir une nouvelle vie avec le coronavirus? Une nouvelle vie de bonheur? Comment on peut imaginer le bonheur dans le temps de coronavirus? Puisqu'on voit que la vie d'un homme devient éphémère. C'est comme un souffle. Désormais, je serai invisible à tout regard.
tes yeux seront sur moi et j'aurai disparu. Yes. On est sur terre, on va disparaître un jour quand même. Mais la souffrance, c'est dur. Je suis invisible à ton regard. Tes yeux seront sur moi et j'aurai disparu. Donc c'est, le moment présent, c'est un moment important. Qu'on doit le vivre avec bonheur. So, it looks like our life is something that has no value. We cannot expect to have happiness. And like you see me now, but I am invisible, and I have the ability to disappear. You are looking at me, but I can be disappearing. Like, it is a feeling. It's just a feeling. But that could happen. Comme la nuée se dissipe et passe, qui descend au Sheol, n'en remonte pas. Il ne revient pas habiter sa maison et sa demeure ne le connaît plus. Sur la nuée, c'est comme un nuage qui passe dans le ciel, qui dissipe et passe. Et si on descend au Sheol, je ne connais pas ce que ça veut dire Sheol, mais dans le contexte, et Sheol, quand on y va, on n'en remonte pas. Ce n'est pas un bon endroit du tout. Et si on arrive à s'en échapper, il ne revient pas habiter sa maison. Et sa demeure ne le connaît plus. C'est comme si, quand on va recommencer une vie avec cet épisode de coronavirus, est-ce qu'on aura encore sa maison? On aura perdu sa maison? Et est-ce qu'on sera ensemble? Est-ce qu'on va pas perdre les membres de notre famille? Et c'est pourquoi je ne puis me taire. Je parlerai dans l'angoisse de mon esprit. Je me plaindrai de l'amertume de mon âme. So, there is a comparison here. Like everything is ephemeral. And there is a place called Sheol. It's not a good place to go. You can go either, or you will not come back. If you come back, people at home may not recognize you. So, the Sheol is not a good place to go. Meaning, the circumstances of coronavirus plunge people in lack of hope, and
they might not come back. So the lack of hope is the thing that makes people so scary. C'est pourquoi je ne puis me taire. I need to talk. Even though my spirit is anxious, I need to talk. And I need to express my complaint. Suis-je la mer, moi, ou le monstre marin, pour que tu postes une gorge contre moi? Ça, c'est Job. Job est en rébellion contre son créateur. Il compare son créateur à un observateur qui observe la souffrance et qui ne fait rien pour lui. Il a perdu la foi. Yeah. Who am I? The sea? Why are you becoming like an observer, like a person who observes me like that? Just an observer. You observe me, you are talking about to your creator, and you feel like he is not part of your suffering, he just like to observe what's going on. You lose your faith. Si je dis mon lit me consolera, ma couche atténuera ma plainte. Si je dis mon lit me consolera, ma couche atténuera ma plainte. Alors, tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Donc, vous voyez ça. Quand je dis qu'on doit compter ses bénédictions, on doit compter ses bénédictions. Si on compte ses bénédictions, on va bien dormir. On n'aura pas ces mauvais songes. Mon lit me consolera. Ma couche atténuera ma plainte. Ça veut dire que c'est vraiment désespéré. So, quand tu couches dans ton lit, tu penses que le lit, seulement être dans le lit, peut te consoler. Vraiment, Job est en désespoir. Il est en désespoir. Yeah. Si on a le coronavirus et on sait que on ne peut pas s'en sortir, beaucoup de personnes peuvent être comme Job, se demander qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, pourquoi m'observes-tu? Tu as resté, tu te contentes de la place d'observateur. Tu me regardes souffrir. Eh bien, mon lit où je couche va me consoler. Je dois compter sur un lit pour me consoler. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'épouvantes par des visions. Si je vois ce que je vois dans le lointain, c'est pas bon. Des mauvaises visions. Puisque ça l'effraie. Il en a peur. C'est pas bon ça. Oui, menina. Job is like depressed. He doesn't have a good sleep.
And when is he sleeping? He's still thinking. And his dreams are full of bad evils. Full of evils. And he feels like scary. He's not happy. Ah, je voudrais être étranglé. La mort plutôt que mes douleurs. Je m'en moque. Je ne vivrai pas toujours. Aussi, laisse-moi. Mes jours ne sont qu'un souffle. Ça, c'est beaucoup dire. Je voudrais être étranglé. La mort plutôt que mes douleurs. À un certain moment, Job, sa souffrance est devenue intolérable. Se voir souffrir comme ça, il dit, bon, plutôt, ou mourir fini. Et puisque nous devons mourir quand même, je ne vivrai pas toujours. So, je ne vivrai pas toujours que mourir fini. C'est vraiment, Job est vraiment inconsolable. Aussi, laisse-moi. Mes jours ne sont que souffle. Laisse-moi. Ça, c'est beaucoup dire. Oui, réflexion. When you see you have a coronavirus and then there is no hope, you can get out of it. And then you got to accept you are losing your life. And then if you are suffering too much, you prefer, it is preferable. Because anyway, you got to pass away one day. That is extremely depressive. That's a man without faith. Qu'est-ce que donc l'homme pour en faire si grand cas, pour fixer sur lui son attention, pour l'inspecter chaque matin, pour le scruter à tout instant? Je vais reprendre. Qu'est-ce donc que l'homme pour en faire si grand cas, pour fixer sur lui ton attention, pour l'inspecter chaque matin, pour le scruter à tout instant. Job se sent observé par son créateur. Il a dit, je suis sûr que mon créateur me voit. Il a son regard sur moi et non seulement il a son regard sur moi, il m'inspecte chaque matin. C'est scrupule, il m'inspecte chaque matin. Et, menine, le créateur connaît qu'il est en train de souffrir. Et bien, il a dit, bon, quand même, si vous êtes en train de m'observer chaque jour, chaque matin, c'est que l'homme a beaucoup de valeur à tes yeux. C'est ce qu'as-tu en fait de me regarder pour me laisser le temps d'avaler ma salive? Il est comme là, presque de... il est en train de perdre la tête. Parce qu'il est en train de souffrir. Si j'ai péché, que t'ai-je fait à toi? L'observateur attentif de l'homme. Pourquoi as-tu pris mon possible? Pourquoi le suis-je à charge? Ne peux-tu tolérer mon offense? Passer sur ma faute? Car bientôt, je serai couché dans la poussière. Tu me chercheras, je ne serai plus.